Hello tout le monde, bienvenue dans le Vlogmas du jour 17, je crois. Comme vous voyez, il neige! Je suis tellement contente, moi et mon chum, on était bien trop excités ce matin de voir la neige tomber. On attendait ça impatiemment, fait qu'on est vraiment contents. On est vendredi, encore habillée en noir. Sauf que ça fait comme trois vlogs que j'ai un chandail noir. C'est parce que j'ai mis de l'auto-bronzant ce matin, puis je veux pas tacher mon linge, fait que j'ai juste mis tout un kit noir. En attendant que je me lave. Je vous disais dans le vlog précédent, on s'en va terminer les cadeaux de Noël cet après-midi. Fait que j'ai vraiment hâte que ça soit fini là. En ce moment, j'emballais les quelques cadeaux que j'avais achetés. J'avais juste pas encore pris le temps d'emballer. Fait que je fais ça. Sinon, je vais travailler ce matin. Je me suis levée encore vraiment tôt. Pour vrai, ce temps-ci, je me lève vraiment tôt. Mais l'hiver, ça me fait tout le temps ça. Je sais pas pourquoi je me lève à genre 5h du matin. L'affaire, c'est qu'il fait clair comme à genre 7h et quelques. Fait que je peux pas rien faire. T'sais, je peux pas filmer du contenu. Je peux pas aller marcher avec Maggie. Fait que. Je réponds à des courriels puis je fais du montage, mais là ce matin j'étais pas mal à jour, fait que j'avais pas grand chose à faire. J'attendais. Mais en tout cas, voilà, fait que je vous apporte avec moi dans cette petite journée. On va aller au 10-30 en après-midi, terminer les cadeaux comme je vous disais, puis on va aller probablement souper au Love finalement, parce que là avec la tempête et tout, ça me tente pas d'aller à Montréal au restaurant là, que je vous parlais, le restaurant italien. Je me souviens plus du nom. Canceria? En tout cas, c'est un restaurant vegan à Montréal, je pense que c'est à Saint-Henri, puis c'est tellement bon, mais c'est ça. On va aller au 10-30 tant qu'à être là. Fait que au Love, c'est un restaurant vegan. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille full. Même si vous n'êtes pas vegan, j'ai déjà apporté des gens non vegan là-bas, puis capote, là, c'est tellement bon. Ça va être ça nos petits plans pour la journée. Fait que je vais aller emballer les cadeaux, puis je vous parle plus tard. Il en manque encore. J'aime tellement ça. Avec la belle neige qui tombe, c'est la journée parfaite. Petit update, je me suis préparée. Il me reste juste à me changer parce que là, je suis tannée de porter ce chandail-là, mais en tout cas, je vais vous montrer mon outfit quand je vais me décider. Mais c'est ça, fait que là, on est en fin de journée, puis on s'apprête à partir pour les commissions de Noël. Fait qu'on va aller au promenade Saint-Bruno et au 10-30 comme d'habitude, puis après ça, finir au Love, comme je l'ai dit. Fait que je vous amène avec moi, je vais filmer des petits clips comme toujours, là, sans vous parler. Fait que c'est ça, je vais sûrement fermer le vlog demain matin ou ce soir, on verra, mais en tout cas, j'espère que vous appréciez. C'est de plus en plus festif. On est à une semaine de Noël, il neige full. Fait que je suis tellement contente. Enfin, je me sens un petit peu plus dans l'ambiance. Fait que voilà, merci d'être là. Puis je vous reparle plus tard. Bonjour tout le monde, on est le lendemain, on est samedi matin, là, il est 10h30, je viens de prendre une douche, puis on se préparait à aller faire des commissions encore, je viens de mettre des gouttes pour les yeux, mais c'est ça, hier finalement on a terminé les cadeaux de Noël, je vous ai pas montré parce que je veux pas prendre la chance que quelqu'un de ma famille voit, on a terminé les cadeaux, après ça on est allé souper finalement au César à Boucherville.
Parce que finalement, on n'a pas eu affaire au 10-30. On a juste été au promenade et on a tout trouvé. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller au Sésame parce que ça fait longtemps qu'on est parlé et c'est vraiment bon aussi. Il y a beaucoup d'options végé. Mon chum a pris un tofu au beurre. Puis moi, j'ai pris un genre de sauté tofu teriyaki. C'était vraiment bon. On a pris en entrée des dumplings aux légumes, des edamame. Mon chum a pris un bloody César sans alcool. Moi, j'ai pris un drink qui s'appelait Chinese Medicine, puis c'était genre du kombucha avec d'autres ingrédients dedans, puis c'était tellement bon. Là, je suis comme ça, partie sur un kick de kombucha, c'est ça, je m'en vais en acheter tantôt à l'épicerie. C'est vraiment bon. On est revenu, on a écouté Home Alone, passé à la télé. J'avais oublié que ce film-là de Noël existait, mais c'est genre le best film de Noël. Fait que c'est ça, puis là, ce matin, je me suis levée, puis c'était un royaume de Noël ici, genre avec la neige, puis tout, là, qui est resté dans les arbres. Elle est tellement lourde la neige que ça n'a pas tombé. Je pense que j'ai filmé des clips ce matin et c'était tellement beau, là, je capote. J'adore l'hiver. Mon chum est parti comme déneiger puis déblayer l'auto. Parce que c'est ça, il faut qu'on aille à Montréal pour une petite commission. Après ça, on revient dans le coin. Il faut aller à l'épicerie, il faut aller à la pharmacie. Puis je pense que mon chum aussi, il y avait des petits trucs à acheter, genre au Canadian Tire. Fait que on va aller faire ça aujourd'hui. Puis pour souper, je sais pas trop ça va être quoi nos plans. On va peut-être se trouver quelque chose à l'épicerie, mais en tout cas, je vous ferai un petit haul d'épicerie en revenant, mais sinon, je vais faire mes vlogs comme en fin de journée. Parce que là, c'est ça, je combine deux jours parce que j'ai fait le montage ce matin du vlog d'hier, puis sérieux, j'ai genre même pas 5 minutes. Là. Mais si je m'en attendais, là. De toute façon, ça va juste être plus le fun pour vous d'avoir comme un petit vlog combiné style week-end. Mais voilà. Demain, les plans. C'est création de contenu pour prendre l'avance pour le temps des fêtes parce que je veux pas avoir à en faire trop durant le congé puis surtout pas avoir en tête que j'ai ça à faire, tu sais, puis ça va me stresser. Fait que voilà le petit update. Mes cheveux sont tellement sales, mais là, plus qu'il fallait être à Montréal pour genre une heure précise, puis j'ai pas pris le temps de me laver les cheveux ce matin, de les sécher et tout. Je mets une petite façon de neige, fait que c'est pas grave. Si nos amis nous ont écrit pour aller marcher avec les chiens, fait que peut-être qu'on va faire ça aussi aujourd'hui ou demain, on va voir. Fait que voilà les plans. Je vous apporte avec moi encore, filmer des petits clips, puis sinon je vous reparle probablement en fin de journée quand je vais faire mon haul d'épicerie. J'espère que vous passez un beau week-end et que vous profitez de la belle neige, soit de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est selon. Que je vous reparle plus tard. À Montréal en ce moment, j'attends mon chum dans l'auto. C'est tellement beau la neige là. J'arrête pas de prendre des petits clips. Je suis vraiment obsédée par la neige. Mais en tout cas, finalement, on va aller dîner au avril pour faire l'épicerie là tout de suite après, puis qu'on va être comme plus proche. Fait que je suis bien contente, ça va être trop bon. Ok, je continue de vous filmer les petits clips, puis je vous ferai un haul en revenant. On vient d'en venir, mais je veux faire l'upload et le montage et tout de suite. Fait que je vais fermer ça ici. Je vais en ouvrir un autre demain. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se voit dans le prochain vlog. Bye tout le monde!